Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 13ème épisode de mon guide, de mon let's play sur le jeu Towns. Donc j'ai joué un petit peu dans mon coin, et en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regagné un héros, j'ai perdu un villageois lors d'un siège, en fait le siège il a démarré ici, le villageois était là quoi. Et en plus il y avait un cyclope, c'était la grosse merde, j'ai perdu un villageois, mais j'ai fini par récupérer 4 juste après, tout simplement parce que j'ai atteint les 40 de happiness moyen nécessaire. Et en fait j'ai réussi tout simplement à résoudre mon problème de nourriture pendant le hors-champ, enfin le hors-capture. Et c'était tout con. C'était vraiment très vraiment tout con. Oula, encore un siège. Bon d'accord, ça va. 2 slim. Ça fait plusieurs sièges comme ça de. Où il n'y a que 2 slim, ça va. C'était vraiment tout con. Tout simplement, j'avais fait une plantation de bananes. Ici. J'avais fait une plantation de bananes. Et ça faisait que ceux qui s'occupaient de la récolte devaient se taper un trajet monstrueux de là à là. Très régulièrement. Parce que je demandais pas mal de choses qui nécessitaient de la banane. Mais en même temps, du coup, ils pouvaient pas s'occuper de la récolte de blé. Ce qui bloquait complètement la chaîne de production de la nourriture. Du coup, une fois que j'ai arrêté de demander des bananes, eh ben ils ont arrêté d'aller là-bas. Du coup, ils s'occupent beaucoup plus du blé. Il y a beaucoup plus de blé par terre. En même temps, l'équipe de la bouffe s'occupe de faire cuire, enfin de préparer de la farine, puis après de faire cuire tout ça sous les formes de pain et de tarte. Et ben du coup, ça va beaucoup mieux, ils ont beaucoup moins de retard, et du coup ils ont même le temps des fois pour faire des pauses et augmenter le bonheur. Bon, bah voilà, ça c'est bien. Sinon en bas, bah ça s'est bien passé, ça avance hein, tout simplement, là on voit qu'il y a, ça explore pas mal. J'ai pas eu de grosses... Oh merde. Bon bah voilà, encore une perte. Ça embête un peu. Ah bah forcément, vu que je les ai pas équipés tous. Ah bah oui, bah c'était forcément un des groupes qui est pas équipé, qui s'est pris une grosse branlée. Ah bah voilà. Bon, bah déjà on va les auto-équiper. Hein, d'abord. Et ensuite on va leur afficher. On va leur donner des groupes. Alors toi d'accord, tu t'équipes avec un casse en goblinite. Ah tu te fais pas chier, hein. Bon, au niveau des armes, je pense que c'est bon, ils ont quoi faire, hein. Là aussi. Spiderite aussi. Ah ouais, d'accord. Je vois que ça s'embête pas trop. Ça s'embête pas trop. On va attendre qu'ils s'équipent. Hein. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai aussi essayé de faire une production de canne à sucre. De canne à sucre, tout simplement pour avoir de la canne à sucre automatique. Voilà. De la sugar cane. Pour faire... Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. Baking. C'est pour faire, c'est des... Non, pas des meat pie. Des cakes qui restaurent 85% du total de la nourriture. Ça met pas longtemps à manger. Et puis c'est assez facile vu qu'il faut que du sucre. Et de la farine pour le faire. Par contre, il faut que je fasse le sucre. Voilà, avec la sugar cane. Pour en faire un peu. Et pour ça, il faut de la sugar cane qui ne pousse que au bord de l'eau. Du coup, en fait, tout ce que j'ai fait là... Ah si, ça peut passer ici. D'accord. Je pensais pas, finalement. Ok. Donc c'est bon, vous êtes équipé? Ouais. Sauf toi qui est pas équipé. Allez hop, auto-équipe-toi, il te manque une arme. Alors, non, on va pas convertir en soldat, on va... Non, si c'est auto-équipé, on va changer le groupe. Du coup... On va mettre un dans... Ramener commerce, parce que franchement, on est... Oh, un arcane... Arcane bow, bah disons. On va mettre un dans... Construction, minage et bûcheronnage, j'aurais bien aimé mettre un dans cuisiner, mais finalement non. D'accord. Quel héros qui... C'est pipe, on voit que ça...
le bonheur augmente beaucoup plus vu qu'ils ont pas mal de temps libre. Et on est déjà à 29. Donc il y a des équipes qui ont rien à faire. Qui ont vraiment rien à faire. Du coup, voilà, le bonheur, il monte en flèche tout simplement. Donc une fois qu'ils ont plus de boulot, ils sont tranquilles. Alors au niveau de la bouffe, bon, ça diminue un petit peu. Ah bah non, forcément ils sont en train de ranger, d'accord, je comprends mieux. Parce que là du coup c'est moins visible. C'est un petit peu moins visible, mais ils sont juste en train de ranger. Parce qu'ils me font du sucre. J'ai un mouton sauvage. Sinon en bas, bah ça explore pas mal. Ça explore pas mal. Cet étage là ils ont un petit peu exploré. Bon, il manque toujours cette partie là. À la limite, ce qu'on peut faire c'est ça. Normalement ils sont équipés suffisamment pour vaincre les quelques monstres qu'ils peuvent rencontrer en creusant. D'accord, ok. Sinon je pouvais aller un peu plus loin. Encore un siège. Commence à me péter les noix. D'accord. Alors le fil d'élévateur, je sais pas trop comment ça fonctionne, on dirait que ça fonctionne pas. Tout simplement. Je l'ai collé ici, mais bon. Pas trop comment ça fonctionne. On pourrait essayer d'en faire un second. Hop. Et ça c'est pas censé, acheminer un peu d'eau. Et c'est passé. Don't it. Ok. Alors là faut se méfier parce qu'il y a des cyclopes qui sont passés par là. Donc faut que je vérifie aussi en fait parce que je me suis rendu compte, c'est tous les espaces libres à côté d'une bordure qui peuvent être attaqués par un siège. C'est-à-dire qu'il suffirait que j'englobe ma ville par un mur et il passerait pas. Ou en tout cas il suffirait d'en faire un étage de 2 de hauteur, comme ça il pourrait pas descendre. Tout simplement. Donc ça, ça pourrait fonctionner. Mais là, du coup, en fait, ils peuvent passer, par exemple. Donc il faut vite que je finisse les 2 toits. Parce que sinon, ils vont encore se faire buter. Il y en a un qui va rester à l'étage, comme un idiot. Et il va se faire buter. C'est pas forcément ce que je cherche. 38 sur 46, vous voyez. Ça monte vachement. Par contre, vous m'expliquez pourquoi les barrels de nourriture préparés se barrent. Hein? C'est flippant. Il y en avait plus des barrels de nourriture préparés. Ok. Il y a des problèmes là. C'est pas ça que je cherche. Non, c'est pas ça non plus. Voilà, on va en refaire quelques-uns. Comment ils font pour se barrer? Je sais que les Evil Badgers, là, les blaireaux démoniaques, ils ont tendance à les prendre. Mais pas les cyclopes. Oh, c'est flippant. 41 sur 46. Hey! Ça, c'est bien. Je vais peut-être équiper un peu tout le monde, je crois que j'ai pas tout à fait équipé correctement. Hop, on va refaire une séance d'auto-équipe. Hein. Ah, et surtout ceux-là, ils sont pas forcément très bien équipés, sauf lui, hein, lui qui est complètement équipé en direct. Alors toi, c'était pas un soldat. Non, c'est la Goblinite. Là, ça avance pas trop. Là, ça avance un peu. Alors j'ai trouvé un truc sympa, c'est-à-dire qu'on peut faire un mineshaft comme ça à cheval sur de l'iron et sur du copper. Mais alors qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien du tout, ça peut peut-être faire un bug en plus. Alors c'est food caravan, donc c'est la caravane de nourriture. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut me vendre et surtout qu'est-ce qui peut m'intéresser? Là j'ai rangé des pains. Alors, qu'est-ce que tu peux me vendre?
D'accord, t'as des raw food barrels, sauf que je m'en fous. Là, tu vends des trucs à prix d'or, quand même. J'ai beau avoir pas mal de sous. Tu vends des trucs à prix d'or. Cooked fish. Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à te vendre. Hein. J'ai vraiment rien à vendre, ni rien à acheter. Bon, tu vas te barrer toute seule. Hein. C'est quoi ? Je vais augmenter la demande de nourriture un peu. Parce qu'on arrive un peu au maximum là. J'en voudrais un petit peu plus. J'en voudrais un petit peu plus. Alors je vais essayer de faire un truc. Voilà, on va remplir d'eau zone là. Pour avoir un petit peu de... Enfin, pour que ça puisse irriguer un peu ses champs. On va faire des champs tout simplement en fait. Hein. Voilà. Donc là normalement il y a de l'eau et ça va commencer à pousser. Siège encore? J'en ai marre. D'accord, c'était des villes badgers. Ah bah je vois. On essaie de se barrer avec les tonneaux. Évidemment celui-là il est encore déplacé. C'est le bordel au niveau des tonneaux. Hein. C'est n'importe quoi. Alors là il y a 8 pains. Bon on va regarder là-dedans, c'est plus pratique. 17 pains. Ouais d'accord. Ça a un peu baissé parce que là ils ont pas mal de boulot à faire. Je les comprends. Je les comprends. Voilà, c'est irrigué un peu plus. Je vais leur demander des gâteaux qui nécessitent du sucre et du blé et de la farine. On va être content d'avoir des gâteaux. Bon. Ben là normalement c'est en mode pépère attente. On va bien voir. Là ils ont rien trouvé. On va creuser encore un peu alors. On va creuser encore un peu. Alors toi ça avance. Un gros bourrin à niveau 32. Qui déchire tout. Ah, mais vraiment. De se faire une salle des doigts dans le pif qui aurait pourtant tué n'importe qui. Mais alors là les doigts dans le pif ma gueule. Voilà, donc là c'est pas mal. Ici on a des gâteaux, content. Là-haut ça construit. Bah ça a fini de construire en plus. Tiens, la caravane se barre. Attends, je la comprends, il n'y a plus rien à faire. ...35/46. Je monte encore un peu. Je vais virer ça. C'est pas cool de manger à côté de... d'os... et de gel. On va faire un peu le ménage. Encore? C'est le bateau. Celui-là, c'est le vendeur de... d'objets en bois, le bateau, je crois. Et là ça produit 25 pains, 6 apple pie, 6... bon là 4 pear pie, bon bah les 5 gâteaux ils y étaient. Hein. Alors, caravan is ready to trade. Ouais bah c'est ça, c'est bien le vendeur d'items en bois, bah, on va lui vendre des trucs. Hein. Il y a 2000 de fric.
tombe bien, j'ai beaucoup d'items en bois. Oh, je suis un petit peu au-dessus. Voilà. On va avoir pas mal de choses à vendre. Enfin là, ça devrait vous occuper. Bon, un petit bout de temps. Au niveau de la construction, bah tu vas annuler ces ordres, parce que là ça sert plus à rien. Au niveau de la construction, faudrait que je fasse ce second niveau. À ce niveau-là. Ça va être un peu long. C'est pas grave. Il me manque un truc là. Faut que je le fasse. Hop, on va donner les ordres. De toute façon, ça va prendre un petit bout de temps. Je ferai ça en hors-champ, bien sûr. Ça avancera tout seul en hors-champ. Et durant les captures. Hein. Alors, attendez. Parce que là, du coup, j'ai quelques petits soucis. On va déjà on va virer les green gel. Alors toi on va te remettre. Et toi on va te remettre aussi. Voilà. Et on va mettre les échafaudages. Voilà. Avec ça ils sont parés. Encore un siège. C'est un siège de quoi? Ah, ça n'aura aller. Ouais, c'est plus calé là. Ils sont fait écraser. Que je vois les options game siège normal, on est en normal pourtant. Disable God Events, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. On va peut-être pas essayer. Ouh la vache. Ça fait de la bouffe partout. Là aussi. Bon bah niveau nourriture on est paré là. Même s'ils ont l'air de bouffer comme des porcs. Ah bah voilà, là ils ont exploré. Là c'est encore des trucs. Quand même. Encore cette zone là là. Et en bas. Ouais, ça explore bien tout ça. Hop, on va creuser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme raccourci? Il n'y a pas besoin. Des petits raccourcis pour que ça aille plus vite. Là, il faudrait qu'ils explorent un peu. Ça pourrait aider au niveau des raccourcis. Ouais. C'est plutôt bien tout ça. C'est plutôt bien. Je vais peut-être attendre un peu avant les... Avant d'attaquer tout ce qui est nourriture... Tout ce qui est nourriture animale. Parce que là, ça va être un poil plus compliqué. Ça va nécessiter pas un petit peu plus de gestion. Et sans doute plus de personnes. C'est pour ça que là je crois que j'ai pas assez de villageois. Bon il faut qu'ils fassent des niveaux supérieurs hein, déjà. On va pas leur demander trop tout de suite. Tiens, je regardais le niveau des héros. 25, 24, 24, 32. Boum. Ça, c'est fait. Direit, samouraï. Il me fait marrer. Alors par contre, il a un casque de samouraï, mais des bottes, enfin des jambières en bois lui. Rien à foutre du style. C'est pour les tapettes. Alors.
Ah bah tiens, ça fait 20 minutes. Bon, épisode assez chargé pour une fois, alors que les autres épisodes normalement ils sont un peu pourris à ce niveau-là. Enfin, là ça va un petit peu mieux, ça avance. Je pense que je vais continuer à jouer un petit peu hors champ avant la prochaine vidéo. Je vous inquiète pas, je vous tiendrai au courant s'il y a des trucs importants. Allez, en tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à la prochaine, salut à tous !